Grand 5 3B, influence de la température et approximation d'Ellingham. Considérons la réaction C plus CO2 donne 2CO qui se produit à 500 Kelvin. On souhaite calculer delta RH standard pour cette réaction à 500 Kelvin. Mais imaginons que dans les tables, on trouve uniquement delta RH standard à 298 Kelvin, qui vaut par exemple 172,5 kJ par mol. Comment calculer delta RH à une autre température que 298 Kelvin? Pour ça, on va à nouveau inventer un chemin fictif dans lequel on fera des changements de température. Dans ce chemin fictif, on devra utiliser comme données les CPM, les capacités calorifiques molaires, pour les constituants carbone, CO et CO2 par exemple. Considérons donc la transformation de 1 mol de carbone et de CO2, formant donc 2 mol de CO à 500 Kelvin, selon deux chemins différents. Le premier chemin, c'est le chemin le plus intuitif, on est au départ avec un état initial à 500 Kelvin, la réaction se produit et elle donne les produits finaux à 500 Kelvin. Un autre chemin qu'on pourrait imaginer, c'est celui-ci. Dans un premier temps, on refroidit les réactifs de 500 à 298 Kelvin. Puis, à 298 Kelvin, on fait la réaction qui donne 2 mol de CO à 298 Kelvin, et ensuite on chauffe ces 2 mol de CO de 298 à 500 Kelvin. L'enthalpie étant une fonction d'état, on peut dire que comme ces deux chemins ont le même état initial et le même état final, ils vont correspondre à la même variation d'enthalpie. Quel est l'intérêt d'être passé par le chemin à 298 Kelvin? Eh bien c'est que on va pouvoir donc écrire l'égalité que delta RH standard à 500 Kelvin, qui est ce que l'on cherche, est égal à delta H1, l'enthalpie lors du refroidissement des réactifs, plus delta RH standard à 298 Kelvin, l'enthalpie stockée dans les tables dont on dispose, plus delta H2, l'enthalpie de la chauffe du produit final. Si on arrive à calculer delta H1 et delta H2, on arrivera donc à relier l'enthalpie à 500 Kelvin pour la réaction à l'enthalpie à 298 Kelvin. Et justement, pour calculer delta H1 et delta H2, on connaît les formules de variation d'enthalpie lors d'un changement de température. Delta H égale N CPM fois TF moins TI pour un corps pur. Dans le cas donc du refroidissement des réactifs carbone et CO2, on aura delta H1 qui sera égal à CPM du carbone plus CPM de CO2 fois 298 moins 500. Ici, on ne voit pas apparaître le N de la quantité de matière parce qu'il vaut 1 vu qu'on faisait une transformation donc de 1 mol de carbone et 1 mol de CO2. Et pour calculer delta H2, ce sera donc une chauffe de 298 à 500 et on aura 2 fois CPM de CO2 fois 500 moins 298 puisqu'on chauffe 2 mol de CO2. On obtient numériquement pour delta H1 moins 9558 joules par mol et pour delta H2 11756 joules par mol. Finalement, delta RH à 500 Kelvin, ce sera égal à delta RH standard à 298 Kelvin, plus 11 756, moins 9 558. Autrement dit, ce sera égal à delta RH à 298 Kelvin, plus 2 198. Ce 2 198, est-ce qu'il est important? Ben, en fin de compte, il est assez petit, parce que si on le compare à la valeur de delta RH à 298 Kelvin, qu'on avait dans les tables, c'était 172 500 joules par mol. Donc ici, ce 2198, c'est à peu près 1% de la valeur qu'on avait avant. Et finalement, la valeur à 500 Kelvin ne vaut pas 172,5 kJ par mol, mais 174,7 kJ par mol. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que la valeur à 500 Kelvin pour delta RH standard est très proche de la valeur à 298 Kelvin, avec une différence de l'ordre de 1%. Et donc une modification de température a eu un impact presque négligeable sur delta RH standard. Ce résultat que l'on vient de trouver peut être en fait généralisé et porte le nom d'approximation d'Ellingham, dont l'énoncé est le suivant. On peut faire l'approximation que l'enthalpie standard de réaction, delta RH standard, est indépendante de la température T. Dans l'exemple qu'on vient de voir précédemment, on voyait que quand on faisait varier de 200 degrés la température de la réaction, ça faisait varier d'environ 1% la valeur de delta RH standard. Donc on voit que cette approximation, elle est légitime.
Dans le cadre du programme, on va considérer qu'on peut toujours faire cette approximation a priori. C'est-à-dire que même si dans un exercice, on ne vous dit pas qu'on se place dans les conditions de l'approximation d'Ellingham, considérez au départ qu'on peut, faire cette approximation. Toutefois, évidemment, si un exercice vous indique qu'on ne peut pas faire cette approximation, ou si vous voyez qu'il est clair dans l'esprit de l'exercice que la température va avoir une influence, dans ce cas, il ne faut pas l'appliquer, mais considérez que si on ne vous dit rien, ça veut dire que de façon implicite, l'approximation d'Ellingham peut être effectuée, et donc que finalement, calculer delta RH standard pour une réaction à 500 Kelvin ou à 300 Kelvin, eh ben, c'est pareil. Attention à un point toutefois, c'est le point qui est entre parenthèses en dessous. Si une différence de température provoque un changement d'état de l'un des constituants, alors dans ce cas, il faudra tenir compte du fait que le constituant n'est plus dans le même état physique. Donc finalement, c'est plus le même constituant physico-chimique, puisqu'on passe par exemple d'eau liquide à eau gaz, ça change finalement la nature de la réaction, et là, automatiquement, ça va changer la valeur de delta RH standard de façon importante. Donc ça, c'est une limite en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut faire varier la température sans faire varier delta RH standard, tant que ça ne provoque pas un changement d'état, parce que dans ce cas, on change la nature de la réaction. À bien retenir cette approximation d'Ellingham, puisqu'on va l'utiliser énormément. Pour vous entraîner une application, en se plaçant dans l'approximation d'Ellingham, calculez l'enthalpie standard de la réaction suivante à 100 degrés. Donc la réaction, c'est 2H2 gaz plus O2 gaz donne 2H2O liquide. Et ensuite, calculez l'enthalpie standard de la réaction, donc la même réaction, mais cette fois à 300 degrés, où on a 2H2 gaz plus O2 gaz qui donne 2H2O, mais cette fois, au lieu d'être de l'eau liquide, c'est de l'eau gaz. Donc là, il y a un changement d'état. Les données que nous avons dans l'énoncé, c'est l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide à 298 Kelvin, qui vaut moins 285 kJ par mol, et l'enthalpie standard de vaporisation de l'eau à 373 Kelvin, qui vaut 44 kJ par mol. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, faire cette application pour vous entraîner à utiliser l'approximation d'Ellingham et les définitions que nous avons vues précédemment, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Pour la question 1, il fallait calculer l'enthalpie standard de la réaction à 100 degrés Celsius, autrement dit à 373 Kelvin. L'approximation d'Ellingham nous indique qu'en fait, l'enthalpie à 373 Kelvin, c'est la même que l'enthalpie à 298 Kelvin. Toutefois, attention, dans la définition de l'enthalpie de formation de l'eau, là c'est bien une réaction où on forme de l'eau à partir de ces éléments constitutifs dans leur état standard de référence, mais on forme deux ici, mol d'eau. Or, dans la définition de delta FH standard, c'est la formation d'une mole de composé. Donc ici, il ne faut pas oublier que cette réaction-là, pour obtenir son delta RH standard, ce sera deux fois le delta FH standard de l'eau liquide. On peut aussi obtenir ceci, indépendamment de la définition de delta FH standard, en utilisant la loi de S, hein, la somme des nu I delta FH standard I, sachant qu'ici, les delta FH standard pour H2 et O2 sont égaux à 0, puisque ce sont des corps simples dans leur état standard de référence. Au final, on a donc delta RH standard à 373 Kelvin, qui est égal à 2 fois delta FH standard de H2O liquide, et donc moins 570 kJ par mol. Pour la question 2, attention cette fois, il y a un changement d'état de l'eau, donc il faut en tenir compte. Ici, on peut imaginer, par exemple, un cycle thermodynamique imaginaire, où on aurait d'abord la réaction de 2H2 plus O2 donne 2H2O liquide, puis les 2H2O liquides se transforment en 2H2O gaz. Autrement dit, la réaction qui donne 2H2O gaz, pour obtenir sa valeur de delta RH standard, ce sera la valeur de delta RH standard de, de la réaction qu'on a calculée précédemment, moins 570 kJ par mol, auquel il faut ajouter 2 fois delta vaporisation H standard de H2O, puisqu'on a 2 moles d'eau qui se sont transformés de liquide à gaz. Quand on ajoute ces deux delta vap H standard pour H2O, on obtient en tout moins 482 kJ par mol pour delta R H standard à 573 Kelvin avec de l'eau gaz. Grand 5.4, énergie ou enthalpie de liaison. Dans l'étape thermodynamique, en plus des valeurs de delta F H standard, on trouve aussi des valeurs d'enthalpie standard de dissociation de liaison entre deux atomes A et B, qui seront notés delta 10 H standard A liaison B, qui peuvent aussi être appelées énergie de liaison et être notées D A liaison B avec un grand D majuscule comme dissociation puisque c'est l'énergie de la dissociation d'une liaison. Il faut bien connaître la définition de ces énergies de liaison
pour pouvoir les utiliser. Leur définition exacte est celle-ci. L'énergie de liaison, DAB, est l'enthalpie standard de réaction, delta RH standard, pour la réaction de rupture de la liaison AB en phase gaz. Le en phase gaz est important, puisque l'énergie de rupture d'une liaison n'est pas la même en phase gaz et en phase liquide, par exemple. Ça correspond donc à delta RH standard pour la réaction, A liaison B en phase gaz, donne A gaz plus B gaz. On note bien ici que lors de la rupture de liaison, on ne forme pas des ions. On est en phase gaz et on a en quelque sorte une rupture homolytique de la liaison. Voici un exemple de tableau d'énergie de liaison issu des tables thermodynamiques. Pour la liaison HH, par exemple, l'énergie nécessaire pour briser, pour dissocier cette liaison, c'est 432 kJ par mol. Pour la liaison HO, 460 kJ par mol. Pour la liaison CO, 356 kJ par mol. On remarque dans ce tableau que ce sont toujours des grandeurs positives, puisqu'en effet, si une liaison existe, c'est qu'a priori, elle avait stabilisé le système. Donc pour la briser, il faut apporter de l'énergie au système. Il va devenir moins stable et son énergie va monter. On remarque aussi dans ce tableau que pour la liaison double C double liaison O, l'énergie de la liaison est de 795 kJ par mol, mais que juste en dessous, il y a une autre ligne avec la même liaison double C double liaison O, avec une énergie de liaison différente de 708 kJ par mol. Alors pourquoi? Parce que l'énergie de dissociation d'une liaison dépend de la molécule tout entière et pas uniquement de la liaison. En effet, certaines molécules peuvent stabiliser une liaison, par exemple par des effets mésomères ou par des effets inductifs, ce qui va changer l'énergie nécessaire à briser cette liaison. Ici, les deux valeurs pour C double liaison O correspondent donc dans le cas de 595 kJ par mol à la molécule de CO2 et dans le cas de 708 kJ par mol à la molécule de propanone. Il est important donc de voir que si on vous donne une valeur par exemple de liaison CH à 410 kJ par mol, cela correspond à la dissociation de la liaison CH qui a certainement été déterminée par exemple avec la molécule de CH4. Mais si vous l'utilisez pour briser une liaison CH dans une autre molécule, eh bien ce sera peut-être une valeur légèrement différente de 410 kJ par mol. Pour autant, dans la plupart des exercices qu'on va voir, on déterminera des enthalpies de réaction, delta RH standard, en utilisant des énergies de liaison, comme par exemple l'énergie de la liaison CH, même dans des molécules qui ne sont pas la molécule de CH4, mais en considérant que l'énergie de liaison pour la liaison CH est la même dans un peu toutes les molécules. Elle vaut 410 kJ par mol dans l'éthane, le propane, et même différentes molécules qui ont des liaisons CH. Alors c'est une approximation, puisque finalement, on sait que c'est pas exactement 410 kJ par mol dans toutes les molécules, mais c'est une approximation qui donne souvent des résultats assez corrects. On va voir donc dans la page suivante comment utiliser ces grandeurs donc d'énergie de liaison pour déterminer delta RH standard pour une réaction quand on arrive à déterminer toutes les liaisons qui se brisent et toutes les liaisons qui se forment dans la réaction.